Comme ça, la dernière équipe, je peux vous dire que ça allait bien. On a bien fait de pas aller vous rejoindre, on n'aurait pas pu remonter. Ça certainement, mais franchement, puis le passage de relais, c'était émouvant. Bien. Vous avez fait combien de kilomètres aujourd'hui? On a fait 8 ce matin et 10 ce soir. Vous avez fait 18 sur les 106 de l'étape, c'est ça? Là, on a fait 18 aujourd'hui, ouais. Ouais. Et du coup, vous avez pris, enfin, il y a les 6 équipes qui ont couru un segment aujourd'hui. C'est ça. Et donc vous êtes toujours l'équipe avec Johan, c'est ça? Non, en fait, les aventuriers tournent. Voilà. Et nous, c'est les relayeurs qui tournent, en fait. On est 6 équipes à tourner. Et on se relaye chacun notre tour. On avait peur d'avoir un peu chaud. Nous, on avait le premier relais à midi et demi à peu près. Il faisait un petit peu chaud quand même. On avait des routes qui étaient un petit peu des grandes lignes droites sur la départementale. Donc le relais de ce matin était un peu plus long, mais ça a bien été. C'est génial. Il y a beaucoup d'émotions. Petit à petit, il y a une sorte d'émulsion qui prend petit à petit au fur et à mesure de l'aventure. Parce qu'on se connaît, on est très... Alors il y en a une grande partie qui avait déjà fait un défi au lac Léman il y a 2 ans, le tour du lac Léman. Donc moi, j'en faisais pas partie, j'ai rejoint l'aventure il y a 1 an et demi pour ce projet-là. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cette belle aventure humainement, enfin, voilà. Là, on a un couple qui est à la tête de cette aventure, que sont Fabrice et Christelle D'Ambrosio, qui ont traîné tout le monde, qui ont une énergie incroyable dans l'organisation du projet. Et on se rend compte que tous les gens qui l'ont rejoint sont vraiment animés par les mêmes émotions, les mêmes envies. On a vraiment la même envie d'arriver à Paris tous ensemble. On a tous un peu notre famille qui nous suit à distance là. Une belle aventure humaine. C'est bien, mais ils ont trouvé, c'est des machines. Hein.
Ils ont super bien couru. Franchement, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Là, c'est vraiment impressionnant. C'est exceptionnel. Les aventuriers, ils nous mènent. T'es d'accord avec moi ? En haut. Ils chantent, ils... C'est des aventuriers. Ils nous parlent, ils nous félicitent. Et quand il y a un petit relâchement chez certains, on est là pour les aider, on les abandonne pas. Enfin, c'est vraiment... C'est la vraie aventure humaine. Ouais, c'est une vraie aventure humaine, c'est ça. Ouais. Et on part ensemble et on arrive ensemble. Jusqu'à Paris. On est content de faire des pauses. Manger pour vous sentir. Et ça arrive souvent ça, des petits coups de mou un peu, des petits. Bah pas trop, mais c'est bon d'être dans le. C'est beaucoup mieux de les encourager. Qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager? Et allez, plus vite. Et ils chantent aussi. Ouais, et les chiens aussi pour les encourager. Nadine Davalon est heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette aventure, puisque le mot aventurier est bien adapté à l'épreuve que vous réalisez pour rejoindre les Jeux Paralympiques. Je crois que c'est une belle expérience. Il y a plein d'émotions, il y a plein de couleurs. On a prévu le soleil pour vous accueillir. Et je crois que vous avez découvert une étape de montagne aujourd'hui, effectivement, en découvrant le Morvan. Donc, moi, je souligne l'engagement qui est le vôtre, l'engagement qui est le nôtre aussi, parce qu'on a l'habitude d'accueillir des groupes, des organisations dans des épreuves de démarches solidaires. Et c'est vrai que, moi, je souligne en tout cas votre mérite, parce que c'est un bel engagement de votre part. Et je crois que ça mérite, que vous méritez des applaudissements pour l'engagement que vous avez. Je crois que vous êtes pas deux. Vous êtes un donc c'est pour ça. Voilà, donc je crois que je voulais aussi souligner l'engagement, quand je dis la ville de Valence s'engage, les associations s'engagent aussi, puisque on a plusieurs associations qui vous ont rejoint pour faire les derniers kilomètres, pour vous accompagner. Et c'est vrai que c'est aussi dans notre ADN. Et on a le plaisir de vous offrir cet hébergement. Alors, il n'y a pas d'étoiles, mais c'est quand même... Voilà, donc c'est un plan. On doit remercier aussi le centre hospitalier d'Avalon, puisque il n'était pas déballé. Hein. Les lits, on les a déballés tout à l'heure. Quelques-uns de votre équipe, d'ailleurs, quelques-unes de votre équipe nous ont aidés à les déballer. Donc, ils seront utilisés ce soir dans le cadre de ce dernier repos avant une double étape, puisque vous allez en 48 heures sans dormir relier maintenant Paris et le site des Jeux Paralympiques. Voilà, mille merci.
Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va. Il y a bien 6 fois 9 minutes. Il n'y a pas de récolte de 20 km, on monte. Mais c'est joli, moi j'adore l'art de chez. Joli. On a carrément. Oui, c'est dire que j'ai un peu de trafic. Ah oui, c'est célèbre. Faut pas que ce soit du département. Ah si, ça va aller à Marseille. Donc ça va pas sur Bourgoin, on est bien. On se regroupe. Ah bah on a eu très bien là-bas, on est arrivé trop tard. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, bah.